Au palais de justice de Poitiers, les assises de la Vienne se sont ouvertes sur le procès de Marie Bénard, celle que les rumeurs nomment l'empoisonneuse de Loudun. C'est de Loudun que partit en effet l'accusation qui la rend responsable de 12 empoisonnements échelonnés sur 20 ans. 12 morts dont Marie Bénard était parente et héritière. Le long du funiculaire, du remonte-pente, les skieurs confirmés et les glisseurs du dimanche ont dévalé la piste de Super Montmartre, se donnant pour un instant l'illusion d'être au sport d'hiver. L'illusion seulement, vite dissipée par l'apparition du képi réprobateur. Grève en France. À 16h exactement, l'agent qui dirigeait la circulation à chaque carrefour de Paris a remisé son bâton blanc. Et l'on a pu assister de ce fait à quelques-uns des plus beaux embouteillages de l'année.